est vraiment bien préservée. Vraiment très belle. Il y a encore quelques poils de moustache qui restent. Le nez est assez écrasé, ce qui est assez fréquent sur les restes momifiés d'époque moderne, puisque les bandelettes dans lesquelles elles étaient entourées ou les tissus avoisinants écrasent en fait le nez. C'est pour ça que les deux narines sont totalement écrasées. Je pense que c'est une étude paléopathologique qui va être passionnante, parce qu'on a rarement des restes aussi bien conservés que ça. Maintenant, quant à savoir à l'heure d'aujourd'hui si c'est Henri IV ou pas, impossible à dire. Vraiment impossible. Tout commence avec une légende. Henri IV, le roi le plus populaire de l'histoire de France, assassiné par Ravaillac en 1610, aurait perdu sa tête au moment de la Révolution, lorsque les tombeaux des souverains de France ont été saccagés. Et la légende continue au siècle dernier, dans les années 30. Un étrange brocanteur parisien prétend détenir la tête du roi, avant qu'une nouvelle fois, elle ne s'évanouisse dans la nature. Alors, légende ou réalité historique? Cette tête existe-t-elle encore? Qui la détient? Et surtout, est-elle réellement celle d'Henri IV? Pour des journalistes passionnés d'histoire, l'énigme était trop belle. En 2008, nous décidons de partir sur les traces de cette prétendue tête royale. Durant deux années d'investigation, notre aventure nous fait parcourir quatre siècles d'histoire, en France, mais aussi en Italie et en Allemagne. Deux années pour répondre à trois questions simples. Henri IV a-t-il perdu sa tête? Où se trouve celle que possédait le brocanteur? Et si nous la retrouvons, comment les scientifiques pourront-ils résoudre le mystère de son identité? Le premier à nous parler de cette étrange histoire n'est pas n'importe qui. Jean-Pierre Bablon est probablement le meilleur spécialiste français d'Henri IV, dont il a écrit une épaisse biographie. Au détour d'une discussion, l'historien nous raconte ce qui, à l'époque, est presque une anecdote. En 1919, à Paris, un certain Joseph Bourdet, brocanteur de son état, a acheté une tête momifiée à une vente aux enchères. Et durant les décennies suivantes, a crié haut et fort à qui voulait l'entendre que cette tête était celle d'Henri IV. Évidemment, sans jamais être capable de le prouver. On s'aperçoit que cette tête est la possession d'un homme tout à fait étrange qui s'appelle Joseph-Émile Bourdet et qui possède une espèce d'atelier de photographie, de bric-à-brac sur le bord de Montmartre. Et le plus étonnant, et le témoignage qu'il donne sur la vente publique à la salle des ventes de l'hôtel Rouault, où il s'est présenté et où, voyant cette tête passer, il a décidé de l'acheter. Je me trouvais un peu après la guerre à la salle des ventes de la rue de Rouault, un jour creux, peu d'objets sensationnels. J'entends crier « Une tête momifiée, mise à prix, 500 francs ». Le public se mit à rire. Moi, je me taisais pour ne pas faire monter les enchères. Le commissaire-priseur reprit. Personne? 10 francs alors. Toujours rien? Décidez-vous et qu'on en finisse avec ces saletés. Je dis timidement 3 francs. Adjugé, je devenais possesseur de la momie. Ce n'est qu'après 2 mois de recherche, d'études comparatives avec des moulages, que je parvins à l'identifier. J'avais chez moi la tête du Béarnais, roi de France. À cette époque, l'affaire fait peu de bruit. Joseph Bourdet est pris pour un illuminé, un uluberlu. Il essaie bien d'argumenter, faisant ressortir la ressemblance de sa tête momifiée avec les portraits d'Henri IV, comme un grain de beauté, une cicatrice à la lèvre et son profil, avec ce nez allongé spécifique des Bourbons. Une ressemblance certes troublante, mais impossible à prouver scientifiquement.
Et puis Joseph Bourdet est un modeste brocanteur qui n'a ni relation ni diplôme. Pour tout dire, son histoire fait sourire et la présumée tête d'Henri IV se transforme en attraction pour les badauds de Montmartre avant de disparaître mystérieusement dans les années 50. C'est tout de même invraisemblable que cette tête ait pu subsister comme ça jusque dans les mains de Bourdet. C'est bien évidemment une interrogation qui vous poursuit. Et voilà, la piste est tracée. Peut-on la suivre ? Voilà donc notre point de départ. L'histoire d'un brocanteur un peu fou mort il y a 50 ans et affirmant détenir la tête d'Henri IV. Notre premier réflexe consiste à vérifier qu'Henri IV a bien perdu sa tête. Selon Joseph Bourdet, elle aurait été volée durant la Révolution française, lors du saccage de la nécropole des rois de France à Saint-Denis, en région parisienne. Cet épisode sombre de la Révolution n'est pas très connu, mais tout à fait exact. Comme tous les souverains de France, Henri IV, à sa mort en 1610, a été inhumé à la basilique Saint-Denis. Un siècle et demi plus tard, nous sommes en pleine terreur révolutionnaire. Et les aristocrates sont pourchassés jusque dans leurs tombeaux mis à sac, vandalisés. En octobre 1793, les cercueils royaux sont eux aussi profanés et les corps exhumés. La plupart sont retrouvés momifiés. À l'époque, c'était la tradition. Les corps des personnages de haut rang, et évidemment ceux de la famille royale, étaient embaumés. Le 12 octobre 1993, les révolutionnaires viennent à cet endroit et vont ouvrir l'ensemble des cercueils qui étaient disposés sur des tréteaux de fer. Et ils vont directement vers le cercueil d'Henri IV. On est très curieux, on a envie de voir ce qui est devenu ce personnage haut en couleur qu'on aime encore, que le peuple admire encore. Et là, miracle en quelque sorte, on découvre une momie sèche. On reconnaît son visage, sa barbe blanche. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va le présenter contre un pilier pendant 2 jours. Le public qui est autorisé à rentrer dans le monument, eh bien, vénère ce corps pour certains et pour d'autres ont une attitude parfois violente. Premier point positif, Henri IV est donc retrouvé en 1793 dans un état de conservation compatible avec la tête momifiée vendue aux enchères en 1919. Mais à ce moment-là, qu'est devenu le reste du corps ? Nous découvrons que, après 2 jours d'exposition, les corps des souverains sont jetés en vrac dans une fosse commune, creusée à quelques mètres de l'entrée nord de la basilique. Un véritable charnier livré à l'appétit des profanateurs et autres amateurs de reliques. C'est ici qu'Henri IV aurait pu perdre sa tête. Nous trouvons des témoignages méconnus. Des témoins ayant assisté à la scène, décrivant un Henri IV taillé en pièces à coups de sabre. Ou d'autres évoquant un médecin debout sur les cadavres des Bourbons et tenant entre ses mains un crâne humain. Un repenti avouera longtemps après les faits être descendu avec d'autres dans la fosse commune pour prendre lui aussi sa part du gâteau. Un ongle d'Henri IV, un ongle de Louis XIV et des cheveux de Marie de Médicis. Tous ces témoignages racontent la même horreur. Des dizaines de cadavres dépecés pour en faire des reliques. 12 siècles d'histoire passés à tabac. En soi, ça n'est pas si choquant, dans le sens que la société entière, à travers les saints, était habituée à ce morcellement du corps. Donc cette volonté de récupérer une partie du corps du roi, c'est comme un talisman. C'est comme un objet précieux que l'on imagine pouvoir apporter la puissance ou peut-être guérir des maladies, je ne sais quoi. Alors, lorsqu'on place le corps d'Henri IV, on peut toujours imaginer que nuitamment,
nombre de personnes s'introduisent et récupèrent une partie du corps, pourquoi pas la tête, en creusant un petit peu, en enlevant une partie de la terre. Mais en même temps, on n'en aura jamais aucune preuve. En tout cas, une chose est sûre. Les cadavres des rois ont bel et bien été découpés pour en faire des reliques. Mais alors, d'autres restes d'Henri IV seraient-ils dans la nature? Ils pourraient nous être utiles pour d'éventuels tests ADN. Mais où sont-ils et comment les trouver? En fait, une partie de la réponse se trouve sous nos pieds, dans les entrailles de la basilique. Dans la crypte, juste à côté du cercueil de Marie-Antoinette et de Louis XVI, est entreposée une caisse remplie d'ossements, volée à la Révolution par un des profanateurs, un certain Alexandre le Noir. Il nous est interdit d'ouvrir cette mystérieuse caisse, mais elle contiendrait des tibias, des fémurs, des mâchoires, des omoplates, des côtes, des vertèbres, chaque os soigneusement étiqueté avec le nom de son propriétaire. Catherine de Médicis, Hugues Capet, Philippe le Bel, Charles IX. Mais a priori, aucun reste d'Henri IV. Ceux-ci, volés par Alexandre le Noir et d'autres comparses, ont en fait été éparpillés aux quatre coins du pays et se retrouvent encore aujourd'hui dans certains musées. En cherchant un peu, on découvre dans tel musée un doigt, dans tel autre une dent ou là encore des poils de sa moustache. Mais nulle part une trace de la tête entière. Alors, cette tête existe-t-elle vraiment? Notre conviction est faite aux Archives nationales à Paris. Lorsque nous découvrons un autre document tout à fait officiel. Il raconte que 25 ans après la Révolution, au retour de la monarchie, des fouilles ont été réalisées dans la fosse commune afin de récupérer les ossements royaux et leur redonner une sépulture décente dans un ossuaire. Selon le procès-verbal que nous avons sous les yeux, trois dépouilles sont retrouvées sans leur partie supérieure, c'est-à-dire sans tête. C'est écrit là, noir sur blanc. Des têtes de rois ont donc bel et bien été volées à Saint-Denis pendant la Révolution. Cette fois, c'est décidé. Nous devons retrouver la tête momifiée que Joseph Bourdet présentait comme celle d'Henri IV. Disparue depuis 50 ans, elle est sans doute cachée quelque part. Première étape, vérifier les dires du brocanteur. L'acte de vente de l'hôtel Drouot nous le confirme. Joseph Bourdet a bien acheté la tête momifiée pour la somme royale de 3 francs. Il nous indique également que le propriétaire précédent était une certaine Emma Nallet Poussin. Décédée sans héritier, la dame n'a pas laissé une grande trace dans l'histoire et la piste s'arrête là. Deuxième étape, l'enquête de voisinage. Pouvons-nous retrouver des personnes ayant connu Joseph Bourdet? Dans les années 1930, il habitait à Montmartre, à quelques pas du Sacré-Cœur et de la place du Tertre. Mais son adresse est aujourd'hui un terrain vague, et plus personne dans le quartier ne garde le moindre souvenir concernant ce brocanteur original. La piste parisienne est-elle aussi une impasse? Mais Bourdet a également vécu à Dinard. Nous décidons alors d'aller enquêter en Bretagne. Et là, coup de chance, nous découvrons un témoin dont la famille a bien connu le brocanteur et qui peut nous en dire un peu plus sur Bourdet et sa fameuse tête. Ben, Bourdet est arrivé à Dinard, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop pourquoi, c'est un excentrique. Hein. Et d'ailleurs, on l'avait surnommé Henri IV. Alors évidemment, dans les années 30-40, il est encore là, ça c'est certain. Et moi, j'ai des témoignages.
Et je pense que c'est à partir de la guerre, peut-être au moins de la guerre, qu'il est parti avec son crâne sous le bras. Et là, on perd complètement sa trace à partir de cette époque-là. Terminé, parti dans la nature. La seule trace que Bourdet laisse à Dinard, c'est ce livre, introuvable aujourd'hui. Il l'écrit lui-même pour clamer haut et fort sa bonne foi. 25 années de recherche obsessionnelle concentrées dans cet opuscule. Nous le dévorons. Et c'est là que nous comprenons enfin pourquoi personne n'a pris Joseph Bourdet au sérieux. Car le brocanteur prétend savoir qui a tué Henri IV dans son carrosse et contredit les récits historiques. Ce ne serait pas Ravaillac, mais le duc d'Épernon, un grand du royaume, assis à côté du roi qui aurait porté le coup fatal. Bourdet perd alors toute crédibilité. Malheureusement, dans ce livre, nous ne trouvons aucun indice pour localiser aujourd'hui la tête momifiée. La dernière personne à avoir vu la prétendue tête d'Henri IV est un journaliste en 1955. Dans un magazine, il raconte qu'à la mort de Bourdet, sa sœur a hérité de l'encombrante relique et qu'elle avait pris l'habitude de la conserver sous son lit, d'où elle ne sortait que les jours de grand nettoyage. Mais l'article n'en dit pas plus, et la trace de la tête momifiée se perd dans les rues de Montmartre. Bref, nous sommes sur le point de capituler. Pour mener une enquête, il faut de la chance, et la chance va nous sourire. Plusieurs semaines après notre première rencontre, l'historien Jean-Pierre Bablon nous rappelle. Il vient tout juste de retrouver une lettre écrite par un passionné d'histoire en quête d'informations sur Joseph Bourdet et sa prétendue tête royale. La lettre à laquelle Jean-Pierre Bablon n'est pas certain d'avoir répondu date de plusieurs années. Mais elle est signée et comporte une adresse. Aussitôt, nous contactons par téléphone son auteur. Nous expliquons que nous recherchons la tête de Bourdet pour la faire expertiser. À l'autre bout du fil, notre interlocuteur affirme ne rien savoir de cette histoire, mais dissimule mal un certain embarras. Les semaines passent, nous échangeons plusieurs courriers et la confiance peu à peu s'installe. Jusqu'au jour où l'homme finit par avouer. Oui, c'est lui qui est l'actuel propriétaire de la momie. Et il nous le prouve avec l'envoi de 3 photos de la relique, les seules jamais prises en couleur. Cette fois, il n'y a plus de doute. Nous avons retrouvé la prétendue tête d'Henri IV. Et en plus, son propriétaire est d'accord pour nous la confier afin de la faire expertiser. Pour nous, maintenant, une deuxième aventure va commencer. Nous menons cette enquête depuis maintenant plus d'un an. Et aujourd'hui est un grand jour, car nous allons enfin rencontrer la mystérieuse tête et son actuel propriétaire. Arrivés à destination, nous trouvons un modeste pavillon de province, un grenier encombré, une armoire de grand-mère, et à l'intérieur... Ah, mais oui, c'est là. C'est ici. Voilà. Dans le linge de l'époque. Là, vraiment, c'est émouvant de la retrouver, conservée pendant un demi-siècle. Et le plus extraordinaire, c'est que personne n'était au courant de la présence de cette tête.
Personne, pas même un membre de ma famille, hormis mon épouse, personne n'était au courant. S'en faisait un secret, si l'on peut dire. L'histoire de cet homme est celle d'un passionné, d'un féru d'histoire, d'un collectionneur. À 34 ans, jeune fonctionnaire, il tombe comme nous sur le même article de 1955 racontant l'histoire de la tête de Joseph Bourdet et de sa sœur qui en a hérité. À l'époque, l'énigme l'intrigue et il décide de tenter le coup. Il monte sur Paris avec sa femme, retrouve la sœur de Bourdet dans un taudis de Montmartre et lui propose de lui racheter la tête pour continuer le travail de son frère. L'acquisition de cette tête n'a pas été aussi facile et aussi simple. Hein ? C'était un dépôt précieux de son frère. En conséquence, il n'était pas question. On avait dit, écoutez, même alors, on est repassé une fois, deux fois, trois fois, la troisième fois. Écoutez, mais vous vous doutez bien que maintenant, cette tête va rester dans l'état sans qu'aucun examen ne soit fait. Monsieur Bourdet a consacré déjà 28 ans de sa vie à effectuer des recherches. Nous, on se permettra d'essayer de continuer ces recherches. Alors, il faut nous la céder, sans quoi la chose ne sera pas possible. Alors, elle a quand même consenti à nous faire cette cession. Voilà. Je sous-signe Madame Gaillard. La sœur de Joseph Bourdet, Madame Gaillard, lui fait même une facture. 5000 francs pour un lot comprenant du linge, des tableaux et le crâne présumé d'Henri IV. Avant de partir, elle lui donne aussi l'opuscule de son frère afin qu'il puisse reprendre le flambeau et continuer les recherches du brocanteur. Jacques Bélanger, 50 années durant, va essayer de tenir parole, arpentant musées, châteaux et salles d'archives pour trouver des indices. Mais sans résultat. Ça ne peut pas se comprendre lorsqu'on n'est pas mordu par ce genre de choses, si vous voulez. Pour nous, c'était la passion, absolument. Mais il faut croire qu'on y croyait quand même un petit peu, parce que sans quoi on n'aurait pas fait la démarche qu'on a faite. Pendant un demi-siècle, évidemment, on a tenté de faire quelque chose, et maintenant, on passe la main. Mais il est bien certain qu'il y a encore une dizaine d'années, on n'aura pas accepté. Ça, c'est... Vous avez eu cette chance de tomber à point nommé, quoi. De tomber à point nommé, il n'y a pas de doute. Oui, oui. C'est pas sans un petit serrement au cœur que l'on s'en sépare. J'en doutais bien. Enfin, en définitive de tout ça, hein. Ben, écoutez, perdre sa tête à 84 ans, il y a des cas plus dramatiques. Avouez-le. Nous avons fait la moitié du chemin. Nous avons retrouvé la tête momifiée. Mais au plaisir de la découverte s'ajoute très vite le poids de l'histoire. Et si c'était Henri IV ? La question nous obsède et nous avons maintenant besoin d'aide. Nous avons constitué un petit groupe d'experts. Côté histoire, Jean-Pierre Bablon est évidemment mis dans la confidence, ainsi que Jacques Perrault, lui aussi grand spécialiste d'Henri IV. Côté science, l'homme de la situation s'appelle Philippe Charlier. Avec son équipe de chercheurs, ce médecin légiste s'est spécialisé dans l'étude des restes humains anciens ou de momies. Et il a la réputation de faire parler les morts et de percer leurs secrets. Nous lui confions la momie pour un premier examen clinique à l'œil nu. On peut déjà, rien qu'en examinant de façon directe cette pièce anatomique, dire qu'il s'agit d'un homme. Parce qu'on a de la barbe, de la moustache. Pour en avoir la certitude, c'est vraiment la génétique qui serait utile. Néanmoins, c'est vraisemblablement un individu adulte mature, pour ne pas dire sénile. Pas mal de pertes dentaires, hein. Il y a une édentation complète. Non, il ne lui reste plus qu'une dent au niveau du maxillaire. Et vraisemblablement, il ne lui reste plus que 3 voire 4 dents au niveau de la mandibule. Tout le reste est tombé avant le décès. La tête a vraiment été arrachée après la mort. Ici, on voit que le plan de section passe entre 2 vertèbres. Ça ne s'est pas fait immédiatement en un coup, puisqu'on a quelques petits bouts de peau qui sont sectionnés, mais de façon incomplète.
C'est pas évident de dire si cet individu a été embaumé ou pas. Là, vraiment, on n'a aucun moyen de savoir, ne serait-ce au poids, ne serait-ce à l'aspect. Et là, vraiment, ça va être l'intérêt d'un examen au scanner pour plonger à l'intérieur de cette pièce et plonger sous le scalp, sous le cuir chevelu qui nous cache le crâne. On peut même se demander s'il n'avait pas l'oreille droite percée. Il va falloir absolument savoir si Henri IV avait ou pas l'oreille droite percée. Chaque découverte amène plein de nouvelles questions et c'est toujours pareil en paléopathologie. Donc l'homme est âgé, comme Henri IV, mort à 57 ans. Autre indice, la tête a été séparée du corps longtemps après la mort. Logique si elle a été volée à Saint-Denis lors de la Révolution. Par contre, l'individu portait des boucles d'oreilles et sa dentition était en piteux état. Or, on imagine mal Henri IV avec seulement 4 dents au moment de son décès. Deuxième examen donc, le scanner. Il doit nous permettre de répondre à d'autres questions et notamment la plus importante d'entre elles, le cerveau est-il toujours à l'intérieur de la momie ? Car d'après le témoignage d'Alexandre Lenoir, notre amateur de reliques, qui a vu le corps d'Henri IV en 1793 et l'a même dessiné, le roi avait le crâne scié. Rien d'étonnant. C'était la technique habituelle des embaumeurs. Ils sciaient la boîte crânienne, retiraient le cerveau et comblaient l'espace avec de l'étoupe, des épices ou des aromates pour assécher les chairs avant de recoudre au point de croix. Visiblement, notre crâne, lui, n'a pas été scié, mais selon le docteur Charlier, il a peut-être été trépané, c'est-à-dire percé de 2 petits trous. À l'époque, dans toute la France, un seul embaumeur pratiquait cette méthode pour retirer le cerveau. Il s'appelait Jacques Guillemot et était le médecin personnel d'Henri IV. 2 petits trous et nous tiendrions un élément de preuve. Les rayons du scanner traversent le cuir séché de la momie et nous font découvrir l'intérieur. Et là, mauvaise surprise. Cette masse allongée et blanchâtre, c'est le cerveau, réduit à l'état de résidu desséché. Le crâne n'a pas été scié, il n'y a pas eu de trépanation, autrement dit, le cerveau est encore intact à l'intérieur et a sédimenté sous la forme d'un petit dépôt de 2 cm d'épaisseur à peu près. Même les yeux sont encore desséchés à l'intérieur des orbites, ou encore des cellules graisseuses sont présentes sous une forme complètement sèche. Mais au jour d'aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas pourquoi cette tête est aussi bien conservée que ça, ni même d'où elle vient. Nous encaissons le coup. La vérité de l'image est sans appel. Le crâne est intact et contient un cerveau, alors que tous les ouvrages l'affirment, les rois sont embaumés et donc débarrassés de leur cerveau. Alors, à qui appartient donc cette tête ? Sans doute à un petit marquis de province, ou à un cobaye pour apprenti embaumeur, voire peut-être même à un individu lambda momifié naturellement. Cela peut arriver. Malgré tout, cette momie demeure une pièce archéologique unique et un objet d'étude inespéré pour la science. Le premier moment de découragement passé, nous poursuivons nos recherches scientifiques sur la tête, qu'elle soit royale ou non. Un squelette, c'est la partie émergée de l'histoire d'un individu. Une momie, c'est la totalité de l'iceberg de la vie de cet individu. Donc c'est un événement archéologique, c'est un moment important parce qu'on a enfin la possibilité d'étudier beaucoup plus d'organes. Pour nous, c'est vraiment une découverte passionnante parce qu'on peut aller beaucoup plus au fond des choses. Nouvelle étape du protocole scientifique. L'observation minutieuse de l'intérieur de la momie avec une fibroscopie. Sans doute pourrons-nous trouver une explication à son bon état de conservation. Peut-être même des traces d'épices, d'aromates, de mercure, autant de produits utilisés par les embaumeurs de l'époque. Au passage, le docteur Charlier procède à un état des lieux du système ORL. Visiblement, l'individu souffrait de rhinite chronique. Plus loin, on peut même encore distinguer les cordes vocales.
Quand on examine au fibroscope à travers les deux orifices narinaires, et bien on se rend compte qu'il n'y a pas de grains de poivre, par exemple. Il n'y a pas de résidus métalliques. Il n'y a pas de résidus végétaux ou quoi que ce soit. À l'heure d'aujourd'hui, il est impossible de dire exactement de quand date cette pièce anatomique et même de préciser le type de préparation exacte dont elle a pu bénéficier. On ne peut pour l'instant rien dire. Nous sommes de plus en plus pessimistes, mais nous faisons une nouvelle tentative. Si les traces d'embaumement ne peuvent plus se voir, elles peuvent peut-être encore se sentir. Ces deux célèbres nez de parfumeurs sont capables de reconnaître des centaines d'odeurs, parfois vieilles de plusieurs siècles. Avec le docteur Charlier, nous comptons maintenant sur ces experts pour identifier les produits d'embaumement utilisés sur cette tête. Car à l'époque d'Henri IV, chaque embaumeur avait sa propre recette, soigneusement répertoriée dans de vieux manuscrits. L'aîné cherche donc une liste de produits. Elle nous permettra peut-être de retrouver le nom de l'embaumeur et de vérifier s'il était au service d'Henri IV. La situation ne manque pas de pittoresque. Ces experts reniflent la présumée tête d'un souverain réputé pour son hygiène défaillante. Selon la reine Margot, sa première femme, Henri IV empestait l'ail. Bon, c'est pas extrêmement puissant. Une odeur... C'est plus puissant dans le bas du visage. Oui, près des chairs. Dans la cavité buccale aussi. Oui, ici. Ouais. C'est pas une odeur désagréable, en effet. Non, ça sent plutôt bon. Ouais. Une odeur plutôt chaude. Je trouve que ça sent la poussière et ça sent un peu le vieux livre. Exactement. Ben, on va se rejoindre là-dessus parce que moi, je trouvais un peu cuir, en fait. Un cuir voilà. Sec. Ouais. Un cuir comme poudré, un petit peu animal, mais poudré... Une odeur de bibliothèque, une odeur d'histoire. Moi, ma première conclusion, c'est que c'est pas une, je n'ai pas senti d'odeur d'embaumement telle que dans mon imaginaire, je l'attendais, c'est-à-dire pas d'odeur d'épices ou d'aromates ou de baume, justement. Qui dit embaumement dit baume, comme la gomme de styrax, de labdanum, donc des matières premières qu'on utilise en parfumerie, en fait, régulièrement. Qui sont très anciennes et qui étaient utilisées déjà du temps des Égyptiens et des momies. Pour moi, il n'y a pas de rajout de l'homme. Et ben, peut-être que ça s'est estompé, comme tu l'as dit, avec voilà. Le temps aussi. Hein. C'est possible aussi que ça soit estompé. Une nouvelle fois, pas de résultat probant, mais pas de certitude non plus. L'équipe scientifique fait alors une tentative avec une machine. Il s'agit d'un détecteur de particules capable d'identifier des milliers de molécules volatiles. Là où les nez humains sont impuissants, la machine sera-t-elle plus performante? Malheureusement, le résultat est identique. Aucun ajout de substance végétale témoigne d'un embaumement, à moins que les odeurs ne se soient évaporées sous l'effet du temps. On trouve des dérivés de sulfurés. Ce sont des produits odorants que l'on peut trouver dans les arômes. Donc a priori, cette tête, elle n'a pas été embaumée. Non. Ou alors c'est un embaumement, une momification, on va dire, naturelle, spontanée. Ça complexifie quand même l'identification, parce qu'on n'a pas, on n'a pas une référence classique. Bon, il faut qu'on cherche encore. Il y a encore du travail. Il y a encore du boulot. Oui. Et ce travail va se poursuivre avec un nouvel outil d'introspection, la loupe binoculaire. Et l'observation révèle quelques indices. Le premier, c'est ce tatouage à la base du cou, la marque possible d'un embaumeur. Un autre indice, ces traces blanchâtres, peut-être du plâtre, peut-être la trace du masque mortuaire réalisé sur le corps d'Henri IV juste après sa mort. Mais d'autres détails se révèlent encore plus intéressants. Henri IV avait une cicatrice à la bouche, souvenir d'un attentat manqué 15 ans avant sa mort. Si notre tête est celle d'Henri IV, elle doit forcément en porter une trace. Et justement, ce petit triangle d'os recalcifié, eh bien c'est la marque d'une blessure. Peut-être la signature de Jean Chastel,
l'auteur de l'attentat. Et ce n'est pas fini. Il y a aussi cette protubérance à la base du nez. J'ai un gros repli qui fait un petit peu plus de 1 cm et qui a l'aspect un petit peu différent, un petit peu grumeleux. Il présente une couleur aussi hyper pigmentée. Autrement dit, ça pourrait ressembler à un gros grain de beauté, noir, un petit peu, ou marron foncé. Et d'une couleur un petit peu différente à celle de la peau. Un grain de beauté à la base du nez, ça, c'est facile à vérifier. Il suffit de consulter les innombrables portraits d'Henri IV. Et en effet, la plupart du temps, il est représenté avec un grain de beauté situé exactement au même endroit. De plus, il présente également sur la lèvre une cicatrice qui correspond parfaitement à l'emplacement de la blessure observée sur la tête. Deux indices qui n'établissent pas une certitude, mais nous redonnent espoir. Dans cette enquête scientifico-historique, l'histoire est aussi importante que la science pour vérifier nos hypothèses. Rendez-vous est pris au Musée de l'Histoire de la Médecine avec Jean-Pierre Bablon, le biographe d'Henri IV. Nous voulons vérifier avec lui deux points précis. Que sait-il exactement de la dentition d'Henri IV ? Notre tête n'a plus que 4 dents. Et à sa connaissance, Henri IV portait-il des boucles d'oreilles ? Et puis, nous sommes curieux de cette première rencontre inattendue entre le biographe et son possible sujet, réunis malgré les 4 siècles qui les séparent. Comme on voit l'objet de face comme ça, effectivement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de dents. Il n'avait pas une bonne dentition. On sait qu'il souffrait, des dents. Oui, ça, on le sait. Oui. On connaît un petit peu toutes ces douleurs. Bon, on sait que voilà, la santé n'était pas excellente. Pour les boucles d'oreilles, Henri III en mettait. Mais il l'en mettait avec tous les mignons de sa cour aussi. L'opinion considérait d'un œil assez défavorable cette présentation de l'homme. Pour ce qui est d'Henri IV, je vais rechercher, mais je crois qu'aucun portrait, à moins que je me trompe, aucun portrait ne le présente avec des boucles d'oreilles. Non, non. Oui, c'est émouvant. Une fois de plus, aucun élément n'est totalement probant, ni dans un sens, ni dans l'autre. Cette fois, nous décidons d'utiliser les grands moyens. Il est temps de faire parler l'ADN. Le docteur Charlier procède à quelques prélèvements de tissus, de peau et de muscles sur la tête momifiée. L'idée est d'en extraire l'ADN et de le comparer avec celui des restes présumés d'Henri IV, conservés dans les musées français. Si l'ADN de la tête correspond avec l'ADN d'au moins une de ces reliques, la preuve sera faite et l'énigme résolue. Sur le plan génétique, il y a encore des vaisseaux à l'intérieur de cette tête, puisqu'elle est momifiée, donc on peut en extraire des globules blancs, assez riche en ADN, eh bien on va comparer donc cette empreinte génétique avec l'empreinte génétique d'autres restes du roi de France, Henri IV, conservés et dispersés. À partir de maintenant, on n'a plus le choix, il faut vraiment faire des prélèvements à visée microscopique, à visée génétique et à visée de datation par le carbone 14. Maintenant, il faut prélever. Mais pour réaliser des prélèvements sur les restes présumés d'un roi de France, la caution morale de la famille du défunt nous paraît indispensable. Nous contactons alors le premier descendant d'Henri IV, le prince Louis de Bourbon, héritier du trône de France. Et nous obtenons sans difficulté son soutien actif pour mener à bien les tests nécessaires. Voici le caveau des Bourbons, c'est là où sont enterrés mes aïeux.
Lorsque je suis ici, c'est un moment émouvant, évidemment, et de voir des cercueils dans des états comme cela, et de penser, évidemment, que ce sont mes ancêtres qui sont ici. Moi, je pense qu'Henri IV, d'abord, est un roi unificateur, unificateur de la France. C'est un roi et très aimé des Français. En tant qu'aîné de la maison, et j'aimerais faire d'abord les analyses pertinentes pour certifier que c'est évidemment la tête d'une relique d'un de mes ancêtres. Et si c'était le cas, et j'aimerais bien lui donner un enterrement digne. Et il retrouverait évidemment le reste de la famille. Nous entamons notre tour de France des reliques. Trois musées nous ont exceptionnellement autorisés à effectuer des prélèvements sur des restes supposés d'Henri IV. À une condition toutefois, tout ceci doit se faire dans la plus grande discrétion. Première étape, Pontoise dans le Val d'Oise. À sa mort, une veuve de la commune a légué un bien étrange patrimoine au musée de la ville. Trois boîtes contenant des restes royaux que son mari aurait volés en 1793 à Saint-Denis. Il s'agit en l'occurrence, selon l'archiviste du musée, de poils de barbe, d'un doigt et d'une dent ayant appartenu à Henri IV. Oh là là. Alors laquelle est-ce ? Parce que là... D'accord. Le docteur Charlier se focalise aussitôt sur la dent. Elle est un peu comme une empreinte digitale. Si elle s'insère parfaitement dans une des cavités de la mâchoire, ce sera alors un indice de poids. Alors, c'est doublement, triplement intéressant. Alors d'abord, c'est une molaire. Et surtout, ce qui est encore plus intéressant, outre les quelques poils de barbe qu'il y a dessus, eh bien, c'est qu'il y a un appareil dentaire. Ça se faisait déjà, les appareils dentaires? Ça se fait depuis la plus haute antiquité. Et on va voir, on va vérifier si ça s'adapte dans les trous au niveau de l'os alvéolaire, hein, l'os qui soutient la dent. Là, pour le coup, ça rentre vraiment pas. Il n'y a vraiment aucune correspondance anatomique entre les deux. Alors, par contre, il y a une cavité en bas. On va essayer, non pas en maxillaire, mais en mandibulaire. Voilà, pour le coup, on a vraiment un volumineux abcès. Alors, n'importe quelle dent pourrait rentrer. On pourrait presque mettre une canine à la position de cette molaire, tout rentrerait. Une fois de plus, l'expérience ne prouve rien. Décidément, la chance n'est pas de notre côté. Le docteur Charlier décide de procéder au prélèvement sur les autres reliques. C'est un pouce, hein, c'est d'ailleurs un pouce gauche. Ce pouce-là n'a pas été sectionné, il a été tout simplement arraché. Tous les longs lambeaux qu'on voit ici, ce n'est pas du tissu, hein, ce sont des restes de tendons. Je pense que... Il y a suffisamment de matériel pour être analysable. Le but est vraiment de faire une cartographie génétique entre tous ces éléments. Vraiment d'essayer de les relier tous les uns aux autres. Les premiers prélèvements sont prêts. Les fioles rouges pour les reliques de Pontoise. Les fioles bleues pour les prélèvements sur la tête momifiée. Une partie des échantillons est envoyée aux généticiens pour l'étude ADN. L'autre partie est expédiée à des toxicologues. Eux vont s'intéresser aux métaux déposés à la surface des corps. Et en particulier au plomb. Car à l'époque, les sarcophages pour les personnages de haut rang étaient confectionnés en plomb. Si la tête momifiée et les reliques de Pontoise proviennent d'un cercueil royal de Saint-Denis, logiquement donc, nous devrions trouver des traces de plomb sur les deux prélèvements. Le plomb a une particularité, c'est qu'il est composé de différents isotopes et que chaque mine de plomb, chaque source de plomb a une composition d'un isotope qui lui est propre. Donc c'est sa propre signature. Si la signature est identique entre les échantillons de Pontoise ou les échantillons de la tête, on ne pourra pas conclure avec certitude que c'est la même origine, mais au moins on aura déjà un facteur d'appréciation de cette origine commune.
Seconde étape de notre tour de France des reliques, la ville de Châteauroux et son musée Bertrand. Quelques poils de barbe d'Henri IV sont conservés dans ce reliquaire, parmi d'autres vestiges de grands hommes de l'histoire de France. J'ai le droit de prélever combien de fragments au total ? Oui, jusqu'à 3, mais pas plus. D'accord, parfait. Parce qu'il faut qu'on mette le maximum de chance de notre côté. Il y a quand même pas mal de bulbes. Hein. On devrait normalement avoir de l'ADN. Pas nécessaire d'en prendre plus, de toute façon. Puis on en laisse pour les générations d'après. Dernière étape de nos prélèvements pour les tests ADN, le château de Pau dans le Béarn. Ici, nous entrons dans l'intimité d'Henri IV. Le roi est né dans ce château en 1553 et il y a passé une partie de son enfance. Son ancienne demeure est aujourd'hui un musée qui lui est entièrement consacré. Évidemment, ce musée détient des reliques d'Henri IV, notamment des poils de barbe, encore. Merci beaucoup. Mais là, leur origine est plus douteuse. Personne ne sait comment ils sont parvenus à Pau. De retour à Paris, c'est l'attente. Cette fois, nous devrions savoir. L'ADN ne peut pas se tromper. Malheureusement, 3 semaines plus tard, le verdict tombe. En fait, l'ADN est inexploitable. Sur cette momie ancienne, passée de main en main, on ne retrouve que des génomes multiples et trop fragmentés pour être traités. Nous sommes alors au bord du découragement. Allons-nous un jour réussir à prouver l'identité de la tête momifiée ? Le fait de ne pas avoir de l'ADN, ça pimente les choses parce que ça nous oblige à réfléchir encore plus. On va devoir faire la démonstration de l'authenticité ou pas de cette tête avec d'autres arguments, archéologiques, anthropologiques, le type d'embaumement, avec l'histoire même de cette tête. La science en appelle à l'histoire. Nous nous remettons donc à l'ouvrage, mais cette fois pour retracer le parcours de cette tête. Si c'est réellement celle d'Henri IV, il existe forcément un lien entre les profanations de 1793 à Saint-Denis et la vente aux enchères de 1919. Nous décidons alors de revenir sur le dossier d'Alexandre Lenoir, dont le nom est déjà apparu à plusieurs reprises dans notre enquête. Serait-il le voleur de la tête d'Henri IV ? Alexandre Lenoir était le conservateur du patrimoine, devenu célèbre pour avoir sauvé des centaines d'œuvres d'art du vandalisme révolutionnaire, mais aussi très connu pour être un collectionneur compulsif de reliques. Et en compilant les données, notamment sur Internet, nous finissons par établir un lien entre lui et Emma Nallet-Poussin, la femme qui possédait la tête avant Joseph Bourdet, le brocanteur. En effet, Alexandre Lenoir avait un petit-fils, Alfred, qui a pu hériter de la tête momifiée. Or, ce petit-fils a vécu à la même époque que Nallet-Poussin. Comme elle, il était artiste peintre et sculpteur. Ils habitaient tous les deux le même quartier et exposaient dans les mêmes galeries. Difficile de croire qu'ils ne se soient pas croisés dans le petit microcosme des artistes peintres. Peut-être même se sont-ils connus. Voire plus encore. Un fil fragile, mais possible. Mais nous avons une deuxième hypothèse à vérifier, en Allemagne. Selon certains amateurs d'histoire, la tête serait en fait passée chez un noble allemand au XIXe siècle, juste après les profanations de Saint-Denis. Donc, direction l'Allemagne, plus précisément la région de Hesse-Darmstadt, dans le sud du pays.
Et de fait, dans le château des comtes d'Erbach, le descendant de la famille nous confirme que son ancêtre, Franz Erbach, a bien acheté des reliques royales à... Tiens, tiens, Alexandre le Noir. Et que les reliques en question sont toujours conservées au château. Et quel n'est pas notre étonnement en découvrant parmi les reliques un morceau de crâne présenté comme étant celui d'Henri IV. Quant à notre tête momifiée, nous n'avons jamais entendu parler d'une tête momifiée que mon ancêtre aurait achetée, que l'on aurait eue dans nos collections. Jamais. Et nous n'avons jamais rien trouvé de tel dans nos anciens catalogues, pourtant très détaillés. La seule relique que nous avons ici, c'est un morceau du crâne d'Henri IV. Je ne peux pas vous dire si c'est vraiment le sien, mais ce qui est indiqué en dessous, c'est qu'un fossoyeur de Saint-Denis l'a récupéré pour le sauver de la foule qui rentrait dans la basilique. C'est comme une enquête policière, c'est amusant. Nous sommes maintenant très impatients de savoir ce que vous, en France, vous allez découvrir. C'est une histoire très excitante pour nous aussi. Là, franchement, la situation se complique. Nous voilà maintenant avec deux crânes d'Henri IV, sans savoir lequel est le bon. Alexandre Lenoir aurait-il vendu aux Allemands une fausse relique ? Le comte d'Erbach nous propose de faire expertiser son morceau de crâne. Il faudra peut-être en arriver là, mais pour l'instant, nous préférons nous concentrer à nouveau sur notre tête momifiée. Retour en France, cette fois au musée Condé de Chantilly. Les techniques modernes permettent d'établir des comparaisons faciales entre notre momie et Henri IV. Mais faut-il encore avoir les éléments pour comparer ? Nous nous lançons donc à la recherche des portraits les plus fidèles d'Henri IV. Problème, il en existe des centaines, peintures, sculptures, portraits au crayon. Lequel est le plus fidèle? Il y a bien les trois cires. Elles sont impressionnantes, mais les trois visages sont différents. Impossible de choisir. C'est peut-être alors ce masque mortuaire qui offre le plus de réalisme. L'empreinte du visage du roi fixée dans du plâtre juste après sa mort. Évidemment, très vite, des copies du masque original ont été réalisées, et même des copies de copies. Mais celui-ci, qui appartient à la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris, est d'après les spécialistes, très proche de l'original. Peut-être même s'agit-il du masque initial. ...80 ans après Joseph Bourdet, les scientifiques vont maintenant se livrer au même jeu des juxtapositions d'images. Seul change la rigueur et la précision de la technique. Et pour renforcer la démarche, le docteur Charlier utilise deux méthodes différentes pour confronter les résultats. D'un côté, il superpose les clichés de la tête momifiée avec le masque mortuaire et d'autres portraits d'Henri IV. De l'autre, ce docteur en anthropologie reconstitue un portrait robot à partir de la seule image du scanner. Alors à partir de ce portrait, on va vraiment flouter l'image et ne récupérer que les reliefs osseux, ceux qui ne bougent pas après le décès. Donc ainsi, on fait le relief de la racine du nez, du front, de la voûte crânienne jusqu'à la nuque et la partie postérieure du cou. Ensuite, on va retirer l'image de la tête momifiée et on ne va garder que cette projection en deux dimensions des reliefs osseux et des structures anatomiques qu'on va dire pertinentes. Jean-Noël Vignal, lui, est un ancien membre de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale et il travaille sur un logiciel qu'il a lui-même conçu et utilisé dans les grandes affaires criminelles ou d'espionnage. Un outil quasi infaillible et reconnu pour son efficacité. La première étape consiste à calculer les épaisseurs qui séparent la surface de l'os de la surface de la peau à partir donc d'équations qui intègrent le sexe de la personne, son âge et sa corpulence. On va fabriquer un portrait robot de départ qui tient compte de la morphologie du crâne et ce portrait robot va être déformé pour venir épouser exactement les images scanner de face et de profil.
Et à partir du visage obtenu, on va pouvoir l'habiller avec des cheveux, des éléments pileux, barbe, moustache, etc. pour aboutir à un visage type caricature, type portrait robot. Cette fois, c'est l'heure de vérité. Un nouvel échec serait fatal à notre enthousiasme et à notre enquête. Le portrait robot sera-t-il ressemblant? Les juxtapositions vont-elles correspondre? Si on superpose le moulage de Sainte-Geneviève avec le crâne de la tête de Bourdet, tout ça est impeccable. Ici, au niveau du front, là, au niveau des sourcils, l'encellure nasale, la pyramide du nez. Quand on a ce type de superposition parfaite, c'est vraiment pas le fruit du hasard. Même l'implantation de l'œil est exactement parfaite. Effectivement, j'ai trouvé des points de correspondance entre le portrait robot donc, réalisé par cette méthode et les portraits connus d'Henri IV. Notamment donc, au niveau de la forme du nez, qui était assez prolongée, étroit, le front qui était relativement haut, la face relativement étroite et le menton large. Donc ce portrait peut très bien correspondre à Henri IV, mais il peut également très bien correspondre à une personne qui va ressembler très fortement à Henri IV. Si ce n'est pas Henri IV, c'est forcément un sosie. Récapitulons. Nous avons donc entre les mains un sosie d'Henri IV qui possède le même grain de beauté à la base du nez et la même cicatrice à la lèvre. Pour la première fois, un véritable faisceau de présomption se dessine. Malheureusement encore insuffisant. Après tout, les sosies, ça existe. Et puis, il y a toujours cette histoire de crâne scié ou trépané pour cause d'embaumement. Or, notre tête est intacte. Nous décidons de creuser de nouveau cette piste. Que s'est-il donc passé au Louvre en 1610 à la mort d'Henri IV? Quels étaient les médecins présents? Et finalement, a-t-il été réellement embaumé? Et si oui, comment? Nous nous plongeons dans les récits des chroniqueurs de l'époque et sollicitons l'aide d'un des conservateurs du Louvre. Avec lui, nous reconstituons le cours des événements. Le 14 mai 1610, rue de la Ferronnerie à Paris, un certain Ravaillac profite d'un embouteillage pour assassiner le roi de 3 coups de couteau. Il est 16 heures. Une fois qu'il a été frappé par Ravaillac, il y a beaucoup de panique autour de lui et la décision est prise de le ramener au Louvre le plus vite possible. Sans doute, à ce moment-là, on a encore peut-être l'idée qu'on va pouvoir le sauver et le soigner. Le carrosse fait demi-tour. Le roi est dans un état critique. Le second coup de couteau lui a perforé le poumon et touché les vaisseaux du cœur. L'hémorragie interne est foudroyante. Sa mort n'est plus qu'une question de minutes. Pour limiter la diffusion de la nouvelle que le roi est blessé, on ne le fait pas remonter par le grand escalier principal, ce qui aurait été vu de beaucoup de monde, mais on le fait rentrer dans le Louvre par un tout petit escalier dérobé qui sert un peu au service quotidien de ses appartements. Malgré 4 siècles de transformation, cet escalier appelé le Petit Degré existe encore. Mais aujourd'hui, il est fermé au public. C'est par ici que les domestiques hissent Henri IV agonisant sur une chaise, jusqu'à ses appartements situés au premier étage. Le roi est ensuite installé dans sa chambre à coucher. On ne subsiste aujourd'hui que ses boiseries au plafond. Elles furent peut-être la dernière image de ce monde pour le bon roi Henri. Officiellement, il est mort dans son lit, dans cette chambre, dans ce palais du Louvre qu'il adorait, où il a laissé son empreinte de bâtisseur. Il y a une première toilette qui est faite juste donc, après sa mort.
Et là, évidemment, l'état du corps exige très vite qu'on prenne des mesures, je dirais, d'hygiène et de conservation. Et donc, ou le 15 au soir, ou le 16 en fin de journée, on ne sait pas très bien, on pratique l'autopsie, à laquelle assistent un certain nombre de grands personnages. Évidemment, tout est consigné. Le rapport d'autopsie est rédigé par Jacques Guillemot, le premier médecin du roi, et 12 autres praticiens qui ont examiné le corps. Concernant l'embaumement, en revanche, les informations sont plus rares. On sait juste que l'abdomen fut ouvert pour retirer les entrailles et notamment le cœur, qui sera donné à des religieux. Mais le compte-rendu est muet sur le nom de l'embaumeur et sa méthode. Ensuite, le cercueil d'Henri IV fut scellé pour être exposé au peuple dans la salle des cariatides. Puis, 10 jours plus tard, il fut transféré à la basilique de Saint-Denis pour un repos censé être éternel. Dans les sources qui sont donc immédiatement après l'assassinat, on ne parle pas de cette question de l'embaumement. La question reste complètement ouverte. Là, il y a un gros point d'interrogation qui subsiste. Et une fois de plus, c'est Internet qui va nous sauver. En tapant des mots-clés sur la toile, nous tombons sur une information cruciale. D'après un livre du poète Lamartine, datant de 1847, Henri IV a été embaumé selon la méthode des Italiens. Mais quelle est donc cette méthode? Le docteur Charlier a bien sa petite idée. Mais pour la vérifier, nous devons franchir les Alpes et nous rendre à Florence, en Italie, la ville natale de Marie de Médicis, l'épouse d'Henri IV. Des fouilles archéologiques réalisées dans les tombeaux des Médicis, à la basilique de San Lorenzo, ont mis à jour de nombreux crânes princiers qui tous ont été analysés. Et c'est dans la nécropole où ils sont entreposés que nous donnons rendez-vous à une des meilleures spécialistes italiennes des questions d'embaumement. Voilà, Philippe. Nous sommes dans la chapelle des Médicis, où sont enterrés de nombreux membres de la famille. Tu sais que les liens étaient étroits entre les Médicis et la France. Et ce lien était bien sûr représenté par l'union entre Henri IV et Marie de Médicis. Mais les corps, Rosa, qui sont dans ces tombeaux, ils sont embaumés. Il y a une procédure particulière pour eux ou c'est la même pour tout le monde? La méthode d'embaumement des Médicis est la même que celle des Italiens en général. C'est une méthode qui prévoyait l'éviscération des organes dans les cavités thoraciques et abdominales, mais sans sillage du crâne. Ce traitement particulier marquait probablement la volonté de respecter l'intégrité du corps humain et donc aussi du crâne. Ainsi donc, avec la méthode des Italiens, le crâne demeure intact. Or, il est possible, voire probable, que Marie de Médicis ait souhaité que son mari Henri IV soit embaumé avec l'art de ses ancêtres italiens, donc sans toucher au crâne. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Les bibliothèques universitaires italiennes sont riches d'informations sur cet art italien de l'embaumement. Les crânes des Médicis découverts lors des fouilles archéologiques ont par exemple été photographiés. Oui, vraiment sur les photos que le crâne n'est pas du tout scié hein, sur Julien. Mais il y a mieux. On trouve aussi le nom d'un embaumeur, celui qui nous manquait. Voilà. Pierre Pigret, 1532-1613, médecin de Henri IV, le grand, roi de France et de Navarre, et de Charles IX, roi de France. Il décrit la méthode utilisée par lui. Il suffit de lire, c'est simple. Pour trouver l'embaumeur d'Henri IV, eh ben, c'est pas en France qu'on trouve l'information, il faut venir dans une bibliothèque italienne et on sait tout, tout le détail, comment il ouvre, comment il baigne le corps, comment il retire les viscères. Il décrit vraiment l'usage de choses qu'on retrouve sur la tête momifiée, notamment la présence de charbon. On ne s'expliquait pas du tout cette présence d'une pigmentation noirâtre à la base du cou. Eh ben, en fait, c'était pas du tout un tatouage. C'était du charbon qui était déposé à la surface du corps, c'était écrit noir sur blanc par Pigret, pour absorber l'humidité et surtout les mauvaises odeurs qui sortent du cadavre. Cette information sur Pierre Pigret et son procédé, et surtout sur ces petits trucs et astuces qu'on retrouve sur cette tête embaumée, c'est vraiment l'information capitale. C'est le lien qui nous manquait. C'est,
C'est la pierre angulaire de toute l'étude. Nous en avons maintenant la preuve. Le crâne d'Henri IV est resté intact, tout comme notre tête momifiée. La vérité que nous traquons depuis plus de 18 mois commence à se dessiner. Il y a 4 siècles, jour pour jour, Henri IV était assassiné. Aujourd'hui, on célèbre son souvenir à travers des manifestations partout en France. Dans le secret de notre aventure, cet anniversaire ressemble à un signe du destin. Et dans les jours suivants, le destin se précise. Nous recevons le résultat de l'analyse toxicologique pour rechercher et comparer les résidus de plomb prélevés sur la tête momifiée et sur les reliques de Pontoise. Donc, 10.055 jusqu'à 0.054, c'est exactement le même échantillon. Même pas besoin de faire des statistiques, les chiffres sont les mêmes à 3 chiffres près la virgule. Bon, j'ai pas fait tous les calculs, mais notamment les marges d'erreur, mais en regardant les résultats, là déjà je peux te dire qu'ils ont tous le même profil isotopique, et donc vraisemblablement la même source et la même origine de plomb. D'accord. En clair, cela signifie que la tête momifiée et les reliques de Pontoise attribuées à Henri IV ont très probablement séjourné dans le même cercueil. Et ce n'est pas tout. Le tatouage retrouvé à la base du cou est composé de carbone fait à partir d'os d'animaux. Or, c'est précisément ce type de matière que l'embaumeur d'Henri IV, Pierre Pigray, utilisait. Et puis, il y a aussi ces traces blanchâtres que nous avions observées. C'est bien du plâtre. Un résidu déposé par le moulage du masque mortuaire. Toutes les pièces de notre puzzle trouvent donc leur place jusqu'à la datation au carbone 14. La tête remonte à une période comprise entre 1450 et 1640. Une fourchette de temps parfaitement compatible avec Henri IV. Si à ces éléments de preuve nous rajoutons l'état dentaire, les reconstitutions faciales, le portrait robot, la cicatrice, le grain de beauté, tout concorde parfaitement, y compris jusqu'à la boucle d'oreille. Nicole Garnier, la conservatrice du musée Condé de Chantilly, a trouvé ce que nous cherchions depuis des mois. Dans les réserves du château, une gravure rangée parmi d'autres portraits serait presque passée inaperçue sans ce détail à peine visible. Henri IV avec une boucle d'oreille. Enfin. Plus rien ne s'oppose à son identification. Même pas ce petit lobe percé. Finalement, même sans l'ADN, on a réussi à trouver la solution pour cette tête de Bourdet. On a tellement d'arguments, on a tellement de faisceaux, de présomptions, tellement de preuves en faveur de l'authenticité, qu'on est vraiment sûr qu'il s'agit de la tête d'Henri IV. Et clé de voûte de tout ceci, on a l'embaumement, le type d'embaumement sans scier le crâne. Il y a un seul roi de France qui n'a pas subi de sciage du crâne, c'est Henri IV. Et justement, c'est ce qu'on retrouve sur la tête de Bourdet. Finalement, Bourdet avait raison. Bourdet avait raison, il faut le dire. Il y a 2 ans, nous commencions cette improbable enquête. Elle nous a emmenés bien plus loin que nous n'imaginions. Joseph Bourdet, lui, a passé 30 ans de sa vie pour prouver sa découverte, mais en vain. Une ténacité qui, nous semble-t-il, méritait bien un hommage. Nous avons donc retrouvé sa tombe, et dessus, une dernière surprise. Une photo qu'il a fait incruster dans la pierre. Lui, que l'on prenait pour un fantasque, à côté de la tête d'Henri IV. Le brocanteur peut maintenant dormir tranquille. Cette momie qui a traversé les âges a enfin retrouvé son identité. Le plus populaire des souverains de France a désormais 2 nouveaux visages. Celui que nous offre la science et l'autre, venu des soubresauts de l'histoire.
Quel étrange destin que celui de ce roi deux fois assassiné et qui revient, 4 siècles après sa mort, écrire la dernière page de son histoire avant de pouvoir enfin reposer en paix. Thank you.